Pour les banques, le financement des TPE et PME, c'est la priorité stratégique depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est un bon financement, un bon accès au crédit par les TPE, tant par les TPE que par les PME. Un bon accès en termes de conditions, avec des niveaux de taux qui sont parmi les plus bas d'Europe pour les TPE et les PME, c'est quelque chose de très important pour les entreprises, et un bon accès aussi en termes de réponse positive des banques. Puisque les crédits d'investissement, qui sont la clé du développement de l'emploi et du développement économique, aujourd'hui, c'est plus de 90% des demandes qui sont faites par les entreprises ont une réponse positive pour les entreprises, par les banques. Aujourd'hui, la question, c'est comment amener plus d'entreprises à se lancer dans des projets de développement économique, avec, et donc en demandant du crédit pour pouvoir les financer. Les conditions n'ont jamais été aussi bonnes, donc il faut pouvoir amener des entrepreneurs à formuler, à organiser des projets pour le développement. Donc oui, il manque aujourd'hui en France des projets de développement économique, tant par les TPE que par les PME. Le niveau de demande nous semble insuffisant pour dynamiser cette production de richesses nouvelles et d'emplois que tout le monde attend. Alors, dans la relation avec les banques, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un partenaire essentiel pour le développement des TPE et des PME, c'est d'abord la transparence du dialogue. Sans dialogue, vous n'avez pas un bon financement. Les entreprises qui fonctionnent, qui marchent bien, qui savent gérer les difficultés aussi et les bons jours, c'est parce qu'elles ont eu un bon dialogue avec leur banque, une bonne transparence sur ce qui va, ce qui ne va pas. Allez parler à votre banquier, je crois que c'est un message extrêmement important qu'on porte sur le terrain au quotidien. Une autre, on va dire, recommandation quelque part, c'est formez-vous. Formez-vous parce qu'on a affaire à des professionnels formidables partout en France, des bons professionnels, mais parfois on sent que pour la gestion de l'entreprise et de sa croissance, il y a besoin sans doute de se mieux se faire aider, d'être mieux à même d'arriver à présenter ses projets avec tous les éléments qui sont utiles pour faire comprendre aux banquiers pourquoi vous voulez ce financement, comment ça va marcher, qu'est-ce que vous prévoyez s'il y a un problème. Ces éléments-là sont essentiels. Et donc, entourez-vous aussi des bonnes personnes. Un entrepreneur seul, c'est un entrepreneur qui prend des risques. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a su se faire entourer. Ça peut être de son expert comptable, ça peut être d'un partenaire autre, quelqu'un aussi de son entreprise, des hommes clés de l'entreprise. Je pense que c'est cette notion d'équipe qu'il faut arriver à créer, à développer dans la demande de crédit, mais plus globalement dans le développement des entreprises.